Parmi les nombreux navires désarmés de l'escadre américaine, bien peu ont accompli de plus brillants faits d'armes que ces vieux submersibles. Ce sont eux, en effet, qui, dans les premiers jours après Pearl Harbor, ont dû assurer la double tâche de garantir les lignes de communication et de porter la guerre en territoire ennemi. Ce film retrace l'histoire de l'une de ces unités et de l'un de ses chefs, Kenneth White. Oh, tu peux jeter un dernier regard, mais ça ne changera rien. Le passé est révolu. Il faut que tu te fasses à cette idée. Oui, c'est fini depuis 5 ans. Regarde-le attentivement et souviens-toi. D'ailleurs, ce sous-marin n'était pas le tien. C'était celui de Joss, et ce sera toujours le sien. Commandant Joshua Rice, 11 septembre 1943, 14 août 1945. 14 août 1945. Jour inoubliable, date d'un grand événement, la fin des hostilités avec le Japon. Et le dernier jour du commandant Joss Rice. La veille, le 13 août, fut aussi un grand jour, car il marque pour moi le début d'une crise de conscience. Assez curieux comme les idées les plus simples se présentent à l'esprit avec une ampleur telle qu'il est difficile de les coordonner. Des milliers de fois, je les ai tournées et retournées dans ma tête dans l'attente d'une réponse qui ne venait jamais. Ce jour-là, le 13 août après-midi, l'ennemi avait disparu des mers et nous ne voyions que l'immensité grise et calme de l'océan désert. Rien alors ne laissait prévoir que j'allais être appelé à jouer personnellement un rôle dans cette aventure. Veilleur dans la baignoire. Veilleur dans la baignoire. Et stoppez la soufflante. Et stoppez la soufflante. Peut-on monter sur le pont? Montez. Il fait une belle journée pour se baigner. Vous ne pourriez pas, Ken. L'eau est presque glacée. Soufflante, stoppez. C'est très bien. Dans le Michigan, on se baigne quand même. Dans le Kentucky, on se sert de la glace pour boire l'apéritif. Puis-je monter sur le pont, commandant? Montez. Un message, commandant. Un avion est tombé dans le jus. Canot pneumatique à la dérive dans le 75 du point de référence. Je l'ai repéré. Il est à peu près à 15 000 de nous. Venez en route au 310, en avant toutes. Venez en route au 310, en avant toutes. Par 10 degrés, tribord. Très bien. Arrêt à la manœuvre. Venez sur la droite, doucement. Route 345. Gardons cette vitesse.
Barré à la manœuvre. Venez sur la droite doucement, route 345. En avant, doucement. En avant, doucement. Moteur tribord, stop. Moteur tribord, stop. Allez-y doucement. C'est ça. Content de vous voir. Avez-vous déjeuné? Non, mais j'accepte très bien quelque chose. Vous autres, occupez-vous du canot. Vous n'êtes pas blessé? Non, les reins me font un peu mal. J'aurais dû emporter un magazine. Ça m'aurait fait passer le temps. On le fiche à l'eau s'il fait le difficile. Je m'appelle Ken White. Et moi, Pierre Maurice. Vous êtes le commandant? Le second. Le commandant est sur la passerelle. Ah. Ça va mieux? Eh. Faites un trou dans le canot et coulez-le. Bien, commandant. Commandant, voici le chef d'escadrille, Pierre Maurice, le commandant Rice. Enchanté. Merci pour votre aide. Que s'est-il passé? Je faisais la chasse à un zéro et j'ai manqué de carburant pour regagner ma base. Vous l'avez eu? Et comment? Bon. Est-ce que vous avez des vêtements secs à lui donner? Oh, on va bien lui trouver quelque chose. Par ici. Il faut descendre. Barre à droite, toute. Barre à droite, toute. Vitesse de croisière. Vitesse de croisière. Voilà deux autres rescapés recueillis en pleine mer, les sergents McKeever et Gentry, le lieutenant-commandant Maurice. Maintenant. Quel était votre appareil? B-29, maintenant. Sur un sous-marin, vous devez trouver du changement. Ah ouais. Attendez de goûter le fricot. Vous n'êtes jamais allé en Australie? Non. C'est bien dommage pour vous. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas mieux. Votre matricule? 837-611. Là, on s'amuse. Il y avait un groupe de femmes en service commandé. Et on ne parlait pas que de la guerre. Quel porte-avions? Le Ticonderoga. Mais dites-donc, on est aussi à l'étroit que dans une cabine téléphonique. Ces sous-marins, c'est bon pour les gars de l'Académie navale. Je sors de l'Académie navale. Bon. J'aurais mieux fait de me taire. Oh! Oh! À Ken, mon amour pour la vie, Carole. C'est une bien jolie femme que vous avez. Elle n'est pas ma femme. Vous n'êtes pas encore marié avec elle? Quand une femme aussi jolie vous fait telle déclaration, on ne la fait pas attendre. C'est qu'elle est tout le temps en voyage. C'est simple, enchaînez-la. Oh, ce ne serait pas facile parce qu'elle a un caractère. Elle est dans la publicité à San Francisco. Raison de plus. Si je connaissais une fille comme elle, je l'épouserais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ça vous arrivera un jour. Harry, je vous présente Pierre Maurice. Harry Carlson. Enchanté. Ravi de vous voir. Thomas. Oui, capitaine. Deux cafés. Bien, capitaine. Bonjour, ami. Oui, si je n'ai pas sommeil. Oh, quelle existence. Je m'aperçois que vous êtes tous bougrement à plaindre. Que d'occupation. Repêcher les aviateurs, faire des parties de rami. Occasionnellement, nous faisons autre chose. Hein? Ça fait 18, dont 5 bateaux de guerre. Alors, excusez-moi, vous êtes une bande de fameux canonniers. Tous, excepté moi. J'arrive à peine à bord. Rien à votre actif? J'étais à New London presque tout le temps. J'ai fait 3 croisières. Je n'ai jamais vu un Jap. Hein? Or, qu'est-ce que cela peut faire? Dans moins de 2 mois, la guerre sera pratiquement finie et nous passerons nos soirées dans les boîtes de nuit, devant un verre de vieux whisky. À regarder se trémousser les petites femmes. Dites-moi une chose, Maurice. Quoi? Pensez-vous à autre chose qu'aux femmes? Non. La question de Maurice me revenait à l'esprit. Rien à votre actif. Il avait dû se moquer de moi. Il le pouvait, c'était une bonne blague et je l'entendais ainsi.
Mais je me demandais si elle s'était répandue parmi l'équipage et si elle avait été interprétée dans le même sens. Oui, je me le demandais. Ouf! Je suis obligé de desserrer ma ceinture. Tu es sûr que ça ne prive personne? Oh, nous avons plus qu'une fois pour tout le monde. Je me demande où vous mettez tout ça. Vous le sauriez si vous aviez été sur la Kinawa ces deux derniers mois. Un joli schooner. Je vous remercie, mais c'est un ketch, non un schooner. Ah. Oui, c'est assez difficile à voir tant que ce n'est qu'une maquette. Savez-vous la longueur qu'il aura, d'un premier plan? Au moins 30 pieds. 60. Bonne chance. Merci, Capitaine. Tu peux aussi bien le faire de 100 pieds pendant que tu es en train de rêver. Rêver? Écoute, je me suis fait matelot pour voir le monde et parcourir les mers. Et j'ai passé 12 ans sous la mer, c'est ça le plus drôle. Le jour où je partirai d'ici, je construirai ce bateau. Et tandis que vous bosserez pour payer vos impôts, moi je serai sur une plage des mers du Sud et de belles filles m'éventeront sous les palmiers. Pas moi. J'irai m'installer à Joplin, dans le Missouri. Pourquoi dans le Missouri? Parce qu'il n'y a pas d'océan à moins de 1500 milles, dans toutes les directions. Et vous, les gars de l'armée, que ferez-vous après la guerre? On s'engagera dans le marine. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Rien. C'est le calme complet. C'est comme si la guerre était déjà finie. C'est peut-être vrai. Je me demande ce qu'on fera de nous. Je n'en sais rien. Je ne savais pas ce que c'était qu'une guerre auparavant. Quel que soit notre sort, il ne sera pas bien fameux. L'essentiel est d'en sortir vivant. Bien sûr, mais je peux vous dire une chose. C'est que le service de temps de paix n'est pas très drôle. Vous le verrez quand vous serez un homme oublié. Pire qu'un homme oublié, car vous serez au milieu de gens qui ne font même plus attention à vous. Vous vous sentirez seul, dans un bureau triste et encombré de paperasse. Vous verrez des gens de toutes sortes, occupés uniquement à s'enrichir par tous les moyens. Mais vous saurez pourtant que si la patrie est de nouveau menacée, c'est sur vous qu'elle pourra compter. C'est déjà quelque chose. Pour un officier de marine, pas d'autre perspective. Ne vous y trompez pas, Ken. D'ici là, on vous demandera beaucoup. Bon. Il faut que je finisse ça pour Alice. Faites-lui mes compliments. Oui, merci. Allô, j'écoute. Très bien, je monte tout de suite. Un convoi est repéré. Ça va être intéressant. Un pétrolier, deux petits cargos et deux escorteurs. C'est maigre pour un communiqué. Peut-être notre dernier combat. Au poste de combat. Au poste de combat, compris, commandant. Au poste de combat, compris, commandant. Éclater les turs, parer à plonger. Bien, j'ai compris. Ken, pouvez-vous les voir dans le périscope? Ils sont environ au 35. Gisement placé. Je les ai dans le périscope. Dégagez la mémoire. Bon, maintenez à 13 mètres. Maintenez à 13 mètres. Non, Ken, c'est vous qui allez diriger l'attaque. Touchez-en en deux, ça nous en fera 20. Merci, j'essaierai. 13 mètres, assiette zéro. Premier bateau. Premier bateau. Notez gisement. Gisement 40 degrés bâbord. Entrez le périscope. Trop sombre pour donner distance. On lancera 3 torpilles sur le premier bateau, 3 sur le second. On présentera l'arrière sur le pétrolier. Soyez prêts à lancer par tous les tubes lance-torpilles. Préparez tous les tubes. Faites vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous conseille de monter sur le pont. Vous serez aux premières loges pour voir tout ce qui se passe. Quel est le cap? Cap au 26. Télescope. Au gisement, faites feu.
Ils ont tourné vers nous. Notez pour le bateau de tête. Angle pour l'avant, 30 degrés. Donnez distance. Distance, 450 mètres. Gisement. Prêt. Soyez prêts. Feu. Un, parti. Deux, parti. Trois, parti. Télescope. Deuxième bateau, 35 bâbord. Distance gisement. Distance 500 mètres. Gisement. Prêt. Feu. Quatre, parti. Cinq, parti. Six, parti. À droite, toutes. À droite, toutes. Il en a envoyé 18 par le fond, n'est-ce pas? La première torpille devrait arriver maintenant. 19! Encore! Excusez-moi, commandant. Maintenant pour le pétrolier. Il a tourné, on ne lance pas. Laissez-moi voir. Il fout le camp à toute vitesse, avec toute son escorte. Verrouillez, tube arrière. Verrouillez, tube arrière. Mes compliments, Ken. On pourra peut-être la voir. Quel est le fond? On a 36 mètres sous la quille. Oh, c'est peu profond. Il faudrait des ailes pour le rattraper. Nous voyons jusqu'à ce que l'escorte s'éloigne. On fera surface après et on verra bien. Peut-être trouverons-nous quelqu'un qui nous passera les dernières nouvelles des Japonais. Je vais jeter encore un coup d'œil. Ceinture de sauvetage en japonais. Il bouge pas, capitaine. À essayer encore. Avion, par tribord arrière. Dégagez le pont. Dégagez la baignoire. C'était moins une. Oui, le commandant. Trop tard. Vires ouvertes. Vous pourriez faire surface. Descendez à 35 mètres. Descendez à 35 mètres. Mettez-vous à l'écoute. J'y suis, commandant. Si nous faisions surface, capitaine. L'avion est toujours là. Il a acheté toutes ses bombes. Qui sait s'il ne lui en reste pas une. Ça demande une minute pour sortir le canot pneumatique. J'en prends moi-même le risque. Le commandant en aurait fait autant pour l'un de nous. Qu'en pensez-vous? Bruit d'hélice se rapprochant, relèvement 350. À gauche, toutes, venez jusqu'au 220. À gauche, toutes, venir jusqu'au 220. Compris, capitaine. Mais on ne peut les laisser, ça voyons. Ça suffit, voyez, à votre poste. Bien, capitaine. À gauche, toutes. Très bien. Contact à proximité. Attention aux grenades, silence à bord. Attention aux grenades, silence à bord. Cap au 220, capitaine. Très bien. On dirait qu'ils nous viennent droit dessus. Branchez le haut-parleur. Ils nous viennent droit dessus. On dirait un torpilleur. Attention. Ils passent sur nous maintenant. À droite. Tous les postes au rapport. Tous les postes au rapport. Tous
Et c'est pas toi qui voulais t'engager dans la marine? Je préfère encore rester dans l'aviation. Maintenant, c'était tout prêt. Pas tellement. Quand ils font clic, boum, comme celui-là, on n'a pas à s'en faire. Oui, mais c'est plus grave quand ça fait clic, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je commence à comprendre. La batterie arrière signale une voie d'eau près du troisième élément. Équipe de sécurité à la batterie arrière. Équipe de sécurité à la batterie arrière. La cheville. La masse. Ces hélices sont stoppées. Il a stoppé le tir aussi. Signalez qu'il se dégage une odeur de chlore à l'avant des compartiments des moteurs. Bien. On signale une odeur de chlore à l'avant des compartiments des moteurs. Oui. Odeur de chlore signalée salle des machines. Il faut faire surface, Chris. Prêt au périscope numéro 2. À vos postes de combat. Compris, Captain. À vos postes de combat. Canon, faites vite. Prêt à faire surface. Surface. Bien, Captain. Distance 1200, dérive 85. Distance 1200, dérive 85. Ouvrez le feu. Ouvrez le feu. Cessez le feu. Cessez le feu. Je comprends rien. Commandant, je viens de capter un message. Les Japonais capitulent, la guerre est finie. À droite, toutes. En avant, toutes. À droite, toutes. En avant, toutes. Vous ne retournez pas pour le commandant et Perkins, c'est trop tard. On essaiera. Veilleur dans la baignoire. Veilleur dans la baignoire. Ken, c'est trop tard. Pour eux, la guerre est finie depuis une heure. Venez en route au 270. Venez en route au 270. Nous parcourûmes dans tous les sens le point de l'océan où Joss et le quartier maître étaient tombés. Mais ce fut en vain. Ils avaient disparu sans laisser de traces. Le jour où nous doublâmes Point Loma pour mouiller dans la baie de San Diego, la guerre était finie depuis au moins 4 mois. Malgré les 20 pavillons peints sur notre kiosque, le Tiger Shark n'attirait pas beaucoup l'attention. J'étais fier, moi, le héros qui avait perdu le commandant et le quartier maître pendant mon premier combat. Les membres de l'équipage avaient oublié. La paix avait rasséréné leur visage. Ils avaient hâte de revoir leur famille et leurs fiancés. Mais Boyer était impatient de s'éloigner d'un officier qui, selon lui, avait trahi son navire. Gouverner au 91. Gouverner au 91. Les permissions commenceront à 16 heures. Les ordres pour les permissionnaires et les débarqués peuvent être retirés au bureau du bord. Stop it! Stop it! Au revoir, lieutenant. Bonne chance, O'Hare. Enfin, c'est fini, commandant. Bonne chance, O'Hare. Merci, commandant. Au revoir, lieutenant. Au revoir. Au revoir, lieutenant. J'ai été heureux de servir sous vos ordres, commandant. Merci, Bixby. J'espère qu'un jour, on se reverra à bord. Je l'espère aussi, voyez. C'était un plaisir de servir sous vos ordres, lieutenant Carlson. Mort. À vos ordres. La plaque. Vous allez chez les parents de Perkins, n'est-ce pas? Oui, commandant. Ken, si vous voulez que j'aille voir Mme Rice, disposez de moi. Non, c'est mon rôle, Harry. Je quitte le navire.
Tire de bord. Je suis heureuse de vous revoir. On dirait que vous avez un peu maigri. Oh, ça me va peut-être mieux. Mais je vous croyais à San Francisco. Elle y était. Nous y avons même passé de beaux moments. J'ai su que le Tiger Shark était arrivé. J'avais hâte de vous revoir aussi, nous sommes venus. Où avez-vous déniché cet individu? Il est là depuis au moins 2 mois. C'est vraiment une coïncidence. J'ai consulté l'annuaire des téléphones, me suis adressé aux agences de renseignement, pris des taxis, je ne sais combien de cars, cherché partout et comme par hasard, je suis tombé sur elle. Nous n'allons pas rester là. Venez, nous allons faire une sacrée bombe au Blue Room. On va aller tous en bande choisir une bonne table et je vais vous faire voir comment on passe une bonne soirée. Si vous le permettez, je vous rejoindrai plus tard. Je dois voir quelqu'un à Coronado. Oh, Ken, pas maintenant. Puis-je vous accompagner? Non, allez avec Pierre. Où réclamerons-nous votre corps si l'on vous perd? Chez Joss Rice. Il faut que je voie sa femme. Ou plutôt sa veuve. Je vous verrai plus tard. Bonjour, Alice. Entrez. Dès que vous m'avez téléphoné, j'ai préparé le rhum. C'est ainsi que l'on accueille un marin qui revient de la mer. Êtes-vous content? Je ne sais pas encore. Avez-vous vu Carole? Oui, elle était au port. Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec elle plutôt que de venir ici? Je vais vous le dire. Et pour vous remettre ceci, c'est du Tiger Shark. La plaque de commandement. C'est un geste infiniment touchant de votre part. Oui, je suis très touchée, mais... ne doit-elle pas rester sur le Tiger Shark? Il sera désarmé le mois prochain. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Ken. Mais tout de même, elle doit rester à bord. C'est sa place. Cela ne vous contrarie pas, j'espère. Non. Vos camarades comprendront? Bien sûr. J'ai un aveu à vous faire. Il faut que vous sachiez ce qui s'est passé entre Joss et moi. Il ne s'est rien passé. Mais vous ne savez rien. Bien au contraire, je sais parfaitement. Vous savez que j'aurais dû stopper la plongée? Vous risquez aussi de perdre le Tiger Shark, ça je ne l'ignore pas. Tout le monde à bord aurait préféré courir ce risque. Tout le monde, sauf moi. Ken, je vous en prie. Peut-être avez-vous eu raison de venir me voir à peine débarqué. Non seulement je sais ce qui s'est passé, mais je sais ce que vous avez souffert. Bonsoir, Alice. Ken, c'est le père de Joss. Je vous présente le commandant White, Amiral Rice. Heureux de vous voir, White. On a fait votre éloge. Merci, Amiral. Alice vous a offert à boire? Oui, Amiral. Ah, vous êtes gâté. Moi, je dois me servir moi-même. Ken est venu pour me parler de Joss. Il croit que tout le monde le tient pour responsable de ce qui s'est passé. Non, ça n'a pas de sens. Je voudrais pouvoir en dire autant, Amiral. Pourquoi pas? Naturellement, l'équipage aurait mieux aimé sauver Joss et Perkins. Mais le devoir passe avant tout. Parfois, il y a des épreuves qui exigent du chef qui les accomplit un certain courage. Avez-vous hésité? Non, pas une seconde. C'était votre devoir. Et vous l'avez fait. Et très courageusement. Dites-vous qu'à votre place, Joss aurait agi exactement comme vous. Il aurait sauvé le navire d'abord. C'est bien ça. Oui, je le suppose, amiral. Alors pourquoi en parler? La guerre est terminée. Oubliez le Tiger Shark. Songez à Carole et surtout faites qu'elle soit heureuse. Et pensez à vous aussi, Ken. Je m'y efforcerai. C'est promis. C'est un ordre, White.
Bien, amiral. Bonsoir. Bonsoir. Que faites-vous donc? Tu t'imagines que je vais te laisser prendre 385 points? C'est à vous de donner. Ah, lors de ma dernière équipée, ma mère a tout vendu pour me tirer d'un mauvais pas. J'aimerais connaître l'avis des médecins sur cet affreux whisky. J'ai une blessure dans le dos, pas au bras, mon bras va bien. Allons, ce n'est rien du tout. Je ne comprends pas, le docteur de l'hôpital ne veut pas le laisser partir. Exactement, la marine ne permet pas que mon éminente personnalité soit séparée du reste du monde. Vous nous permettez de danser? Oui, permission accordée. Je m'ennuyais de vous, Ken. J'en devenais même neurasthénique. Ah ah, c'est donc sérieux. Éloignons-nous pour mieux parler. Je vous apporte un cadeau. Ah. C'est une dent de femelle de tamanoir, une sorte d'amulette. Vous saviez que cet animal a environ 63 petits, et ce n'est qu'une moyenne. Pas possible. Où l'avez-vous trouvé? Oh, j'ai pu me la procurer chez un de ces marchands de bibelots de toutes sortes. On m'a dit que, en Afrique, quand une femme veut épouser un homme, elle la met dans sa poche. C'est de la pure magie. Oui, mais s'il refuse? Il est dévoré par un crocodile moins d'une semaine après. C'est une assurance sur la vie. Je l'espère, Ken. Je ne travaille plus. J'ai cédé mon appartement et préparé tous mes bagages. Et dans quel but? Je ne veux pas qu'un crocodile vous dévore. Comme suite à vos propositions, nous ferons un essai d'environ 30 ou 40 ans. Ken. Chérie, je vous aime tant. Et il ne faut pas confondre, chérie, le marin qui navigue et celui du ministère. Pourtant, c'est un officier qui l'a dit. Ah, ce n'est pas parce qu'il porte l'insigne du dauphin qu'il sait nager. Vous pouvez nous féliciter. Il vient de gagner ma main. Ah, oh, félicitations. Alors, c'est l'occasion ou jamais de vous prédire l'avenir. Vous n'avez plus aucune chance de vivre une vie poétique. Allons, ce n'est pas votre genre de femme. Qu'en savez-vous? Oui, vous avez probablement raison. Trouvez-moi une vieille femme millionnaire. Une riche et vieille femme, paralytique, qui laisserait tomber ses diamants en tremblant. Levez vos verres. Allons, faites comme nous. À la santé du couple le plus sympathique du monde. Et à la nôtre. Allons, buvez, buvez. À la nôtre. Et que tout ce que nous souhaitons se réalise sans laisser de regrets. Je n'eus rien à regretter dans les années qui suivirent. La guerre s'estompait dans le passé et je ne songeais qu'au présent. J'ai servi 2 années à New London, 2 autres à Mare Island sous les ordres de l'amiral Rice. Peu m'importait l'endroit où je servais puisque Carole était avec moi. Et Pierre Maurice non loin de nous. Il partageait le meilleur de son temps entre nous et 2 jeunes rouquines.
Ainsi, les choses étaient pour le mieux. J'étais chargé d'un service de surveillance qui tenait à la fois du magasinier, du concierge et du juge de paix. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour, commandant. Bonjour, Jacques. État du matériel du port, celui des inspections et réquisitions de peintures et de balais. 9 copies de chaque. Bien. Dois-je signer toutes les copies? Seulement 8. Vos initiales sur celles des archives. C'est une veine. La femme du capitaine Cornwell se plaint de l'incinérateur. Encore? Cette fois, elle a trouvé de la suie sur son tapis. Le commandant Robert dit qu'il y a des plures d'orange sur le quai de... Dites au commandant qu'il aura un balai quand on me les livrera. White à l'appareil. Oui, j'y vais tout de suite. C'est l'amiral Rice. Il a dû trouver un pépin de pomme sur son bureau. Le commandant White est ici, amiral. Faites-le entrer. Très bien. Bonjour, Ken. Mes respects, amiral. Asseyez-vous. Une cigarette? Non, merci, amiral. Comment va le travail? Très bien, autant que je sache. Il vous plaît? Non, amiral. Je ne vous en blâme pas. Vous avez reçu une plainte de Madame Cornwell, il paraît. Oui, elle critique la façon dont nous brûlons les déchets. Elle ferait la loi à la marine si on la laissait faire. Vous n'avez pas fait sauter l'incinérateur comme je l'ai fait à Norfolk. Non, amiral. Je ne vous le conseillerais pas. J'ai une corvée pour vous. Un reporter de New York du nom de Gavin écrit un article sur les navires désarmés. Vous lui montrerez les sous-marins. Quand doit-il venir, amiral? Il viendra à votre bureau à 11h. Et c'est tout? Oui, Ken. Mes respects, amiral. Combien en avez-vous ici? 64. Ah bah, 6 millions par sous-marin, ça fait pas loin de 400 millions de dollars. Pourquoi ne pas les vendre à la ferraille au lieu de les laisser rouiller? Les contribuables verraient peut-être leurs impôts diminuer. Et si nous en avions encore besoin? Bah, la prochaine guerre se fera en appuyant sur des boutons. Mais sommes-nous bien sûrs d'avoir les boutons, monsieur? Vous avez peut-être raison. Combien de temps vous faut-il pour en remettre un en service? En cas d'extrême urgence, environ 2 semaines. Et pendant ce temps-là, tout peut arriver sauf le traité de paix. Hé, Gavin, celui-ci n'est pas mal, il s'est distingué. Un drapeau japonais sur son kiosque. Est-ce que je peux le photographier? Oui, allez-y. 20 drapeaux. Il a coulé 20 navires? Quel est son nom? Tiger Shark. Tiger Shark. J'ai lu quelque chose sur lui. C'est bien possible. Il a perdu son capitaine juste à la fin de la guerre. C'est bien ça? C'est exact. L'officier qui commandait la plongée s'est conduit comme un dégoûtant. Il a dû en passer des nuits sans dormir. Vous savez qui c'était? Oui. Ah, qui? Moi. Excusez-moi, commandant. Il avait dit vrai. Cet officier s'était conduit comme un dégoûtant. Cela me rappelait le passé au cas où je l'eusse oublié. Je demeurais le héros d'un jour, celui qui avait abandonné le capitaine et le quartier-maître au cours de sa seule rencontre avec l'ennemi. Qui donc pouvais-je abuser? Carole! Je suis au téléphone, chérie. Qui était-ce? Oh, c'était Pierre Maurice. Il va venir dîner avec nous. Il ne connaît pas d'autre endroit où aller? Voyons, chérie. Oh, je sais. Pauvre Pierre. 2 ans dans un hôpital, 3 opérations, grand blessé, chargé de la dure mission d'instruire les élèves de l'école navale. Très bien, je vais le décommander. Dis-lui que j'ai la jaunisse. Au fait, qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Quelque chose te contrarie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te le fait croire? Je m'en doute. J'en ai soupé. De quoi? Et d'une foule de choses, de la monotonie, de la routine, d'être un commis, un concierge, un officier de carrière devenu rond de cuir. Tu devrais changer d'emploi. C'est ça. Je vais dire au chef de l'amirauté qu'il me confie le commandement de la flotte de l'Atlantique. Mais voilà, il ne m'appartient pas de faire comme je le voudrais, et tu le sais bien. Tu es un marin, ne l'oublie pas. Comment pourrais-je l'oublier? Tu n'oublies pas que tu as perdu un emploi de 300 dollars par semaine pour te marier avec moi. Il vaut mieux se mettre à table. Carole ne méritait aucun reproche. J'aurais voulu me faire pardonner, mais je ne savais comment m'y prendre. Alors,
Je pensais qu'un cadeau et une bonne soirée dans un cabaret feraient mieux que les mots que je ne parvenais pas à trouver. Encore des signatures et deux autres notes. Le nouveau chef les attend pour faire son rapport. Elles concernent toutes les deux la flotte de réserve. Il demande si nous avons des hommes qualifiés comme sous-mariniers. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ordre de réarmer le Tiger Shark et qu'il leur manque du personnel. Tiger Shark? Mais dans quel but? Je l'ignore. Oh, eh bien, nous n'avons personne. Je vais donner la réponse. Non, je m'en occuperai. Est-ce ici le service des vieux rossignols de la flotte des États-Unis? Bonjour, Pierre. Bonjour. Oh. Mmh. Vous avez fait fortune? Oh, sûrement. Votre honneur est fine partie. Comment faites-vous donc? Je suis un honnête travailleur et non un professeur de fantaisie comme vous. Mmh. Oui, vous avez raison. Faire l'école aux aspirants, ça a toujours été une sinécure. Pas d'autres cours à faire que sur la navigation, l'artillerie, la mécanique, l'histoire navale, les coutumes et les traditions, les communications, la manœuvre. Deux ou trois fois par semaine, exercice. Un soir avec la réserve navale, deux soirs de préparation des copies d'examen et trois nuits pour les corriger, et le reste des nuits et des dimanches consacrés à m'occuper des retardataires qui ne sont pas sûrs d'entrer dans la marine avec une bonne place. Oui, dans mes moments de loisir, je m'amuse comme vous. Je vous emmène, vous venez? J'ai quelques coups de fil à donner, je vous rejoindrai au club. D'accord. Commandant. Le chef torpilleur Boyer se présente au rapport. Oh, tiens, Boyer, ça c'est une surprise. D'où venez-vous donc? San Diego. Vous vous souvenez du commandant Maurice? Oh, parfaitement. Comment allez-vous, Boyer? La marine vous pète-elle toujours? Oui, toujours. Mais je vous croyais retiré depuis longtemps et parcourant les mers dans votre schooner. Vous avez quelque chose à demander? Je désire être transféré dans un autre service, commandant. Pourquoi? Vous devriez être la dernière personne à me demander pourquoi. Très bien, voyez. Voyez la flotte de réserve. Là, il doit y avoir quelque chose pour vous. Ne soyez pas trop long. Ce qu'il y a de déplorable dans mon service, c'est qu'il n'y a pas de femme à manœuvrer. Enfin, instruire. Tu n'as rien mangé ce soir? Je n'avais pas très faim. On dirait que l'orchestre est meilleur cette année. Ils font beaucoup trop de bruit. Il ne vaut pas celui de New London. New London. Ah, en voilà une ville à 2 heures à peine de New York avec des cabarets de belles entraîneuses. Il y a même une bonne équipe de baseball. Et la saison est commencée? Oui. Je crois que Brooklyn va gagner, comme l'année dernière. Ils n'en sont jamais capables. Non, j'ai voulu dire que... qu'ils vont gagner en première division. C'est une ligue, non une division. Eh bien, quelle différence la fait-il? S'il ignore que la saison est commencée, comment sait-il que Brooklyn va gagner? C'est ce que j'ai lu dans les journaux. Où? Dans le premier hebdomadaire venu? Ça ne m'étonne pas. Pas mal de gens ne prêtent pas attention au baseball jusqu'au jour où ils tombent sur un journal sportif. Ils lisent quelques articles et se prennent pour des experts. Il ne prétend pas être un expert, mais il aime Brooklyn. Et c'est pour ça que je dis que Brooklyn perdra. Quelqu'un désire-t-il encore du café? Tout le monde se passionne pour Brooklyn, mais personne ne sait pourquoi. Vous êtes de mauvaise humeur. Parlons d'autre chose. Je suis d'excellente humeur. Je crois que vous prenez trop à cœur ce voyer. N'y pensez plus. Occupez-vous donc de vos affaires. Oh, voyons, Ken. Voyons, on est entre amis. Portons un toast, que chacun lève son verre. Levez votre verre, c'est tout ce que vous trouvez comme conversation. Vous trouverez encore la force de boire à la santé de vos croque-morts. Excusez-moi, le temps de tuer mon époux et je reviens. Ken! Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Tu ne peux laisser tout le monde, tu ne peux partir. Je m'en fiche, éperdument. Mais enfin, que se passe-t-il? Veux-tu qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est cette histoire avec Boyer? Il n'a rien à voir là-dedans. Ken, j'en ai assez de tes sautes d'humeur. Quelle figure vais-je faire devant toutes ces personnes? Que va-t-on penser de toi? Je me moque de ce qu'on pense. Mais tu es fou! Nous ne pouvons tout de même pas les laisser. Rien ne t'empêche de rester? Quoi de neuf? Oh, il a mal à la tête. Y a-t-il à redire d'avoir mal à la tête? Non, si ça ne se répète pas trop souvent.
La réflexion de Pierre me fut rapportée. Elle était juste. Ce genre de maux de tête me prenait trop souvent. La présence de Boyer, qui dirigeait les ouvriers du Tiger Shark, les aggravait davantage. Mais je ne pouvais m'éloigner du bateau. Instinctivement, j'étais attiré vers lui. Et sans m'en rendre compte, je me préparais à ressentir la plus forte migraine de ma vie. Le travail avance ? Oui. Dans une semaine, il sera entièrement en état. Oui, on le dit. Il me semble que j'aimerais prendre du service à bord d'un sous-marin. Attention ! Où est-ce ? Il y a le feu à la patrie avant. Que tout le monde s'éloigne d'ici. Bien, commandant. Est-ce qu'elle a été isolée ? C'est bien la batterie avant, il y a un homme dedans. Prenez le vêtement d'amiante et le gaz carbonique. Oui, commandant. On n'a pas le temps, ouvrez la porte. Vous ne tiendrez pas 30 secondes. Mais il y a un homme dedans. Il doit courir sa chance. Comme le capitaine Rice et Perkins. Je vous ai obéi. Et vous m'obéirez encore. Vous allez passer ce vêtement. Passez le tuyau par là. Attention. Coupez la batterie, déconnectez les contacts immédiatement. Bien, commandant. Allez, pressez-vous. Parez. Passez le lien fil 1. Apportez les bouteilles de gaz carbonique. Vous les lancerez quand j'ouvrirai la porte. C'est bien, Boyer. Docteur. Comment est-il ? Il vit encore, mais ses blessures sont beaucoup plus graves que je ne pensais. Ne vous reprochez rien. Vous avez fait ce qu'il fallait. Parfois, il est difficile de savoir ce qu'on doit faire. Oh, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous préoccupe tant? Vous ne comprendrez pas. Peut-être si je fais un effort. Pierre, je suis désespérée. Les choses vont de plus en plus mal. Je crois qu'il me déteste, Pierre. Oh. Oui, il n'est plus le même. Depuis qu'on a réarmé le Tiger Shark. Pierre, qu'en pensez-vous? Je suis d'une telle naïveté que je ne me suis aperçu de rien. Si personne ne veut m'aider, je me demande comment finira mon mariage. Ce n'est pas drôle comme perspective. Excepté pour moi, peut-être. Oh non, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Moi, je suis un de ces joyeux garçons qui prennent plaisir à faire de l'œil aux femmes des autres et qui s'en désintéressent aussitôt qu'elles sont libres. Excusez-moi, je plaisantais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il devrait voir un psychiatre? Et si, au lieu d'aller consulter un psychiatre, vous alliez voir une cartomancienne? C'est idiot. Non, Pierre. J'ai une autre idée. Arriver à décider Ken à quitter la marine. Ce serait peut-être une solution. Vous êtes de mon avis. Vous savez quelque chose. Je sais que votre mariage est solide comme un roc. Ce n'est pas ça qui le tourmente, mais une question d'amour propre. C'est uniquement son métier qui le préoccupe. Alors vous croyez qu'il devrait démissionner? Je ne vois pas d'autre solution. Mais si jamais il quittait son métier, il se prendrait pour un raté. Il perdrait confiance en lui. C'est grotesque. Ken est un garçon de très grande valeur. Partout où il se présentera, on le recevra à bras ouverts. Puisque vous connaissez du monde, qu'attendez-vous pour le présenter? Il faut qu'il travaille, c'est la première des choses. Ensuite, tous vos petits ennuis disparaîtront d'eux-mêmes. Et troisièmement, vous mènerez tous deux la vie la plus heureuse qu'on puisse rêver.
Ça fait $25 la consultation. Mais j'aurais le droit de boire quelque chose. Oui. Fred ! Hé, Fred ! Vous savez, comme vous allez vous réconcilier, je sens que je vais m'intéresser à vous. Encore un peu de café, chérie ? Oui, volontiers. Quelque chose d'intéressant ? Oui, on m'offre une place de directeur dans l'industrie, Matthews Electric Company. Eh bien, cher commandant White, nous cherchons un homme expérimenté pour diriger notre personnel. C'est moi. Sur recommandation de l'amiral Joshua Rice. C'est gentil, hein. Assurer que les conditions que nous vous proposerons vous donneront pleine satisfaction. Signé A. et Matthews, président. C'est inespéré, en particulier en ce qui concerne les appointements. Ça m'étonne que Rice m'ait recommandé. Pourquoi pas, tu as les meilleures références. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Portland? On dit que c'est merveilleux. Avec des parapluies, des bottes en caoutchouc et un toit bien étanche. Et il y a de fort jolies maisons près de l'usine. Qui t'a dit ça? Oh, j'ai dû le lire quelque part. Quel est le nom de cet industriel avec qui tu as déjeuné il y a 2 mois? Tu faisais de la publicité pour ces frigorifiques. Ah, et Matthews, si ma mémoire est exacte. Tu me prends vraiment pour un imbécile pour agir comme tu le fais. Pour toi, je ne suis qu'un polichinelle, un pantin dont on tire les ficelles. Qu'est-ce que ce Matthews attend en échange? Que tu écrives ses articles publicitaires pour rien? Je lui ai seulement demandé s'il y avait. Que viens faire ici, l'amiral? As-tu sollicité son intervention en lui racontant combien la vie de marin était difficile? J'ai simplement demandé son avis et il a convenu avec Pierre qu'il va. Pierre! Bon, et après? Et le facteur lui-même, qu'en pense-t-il? Tu n'as pas alerté la presse, écrit à ton député? Ça va, Ken, ça va. Je regrette de m'être trompée. Je sais maintenant, j'ai eu tort d'agir comme je l'ai fait, mais sincèrement, je croyais que c'était la solution. Pourquoi? Pour nous. Oh, Ken, tu en veux à tout le monde, et à toi-même, et à moi. Quelque chose va casser. Veux-tu que ce soit notre mariage? Tu sais bien que non. Alors il faudra que ça change. En allant à Portland? L'essentiel est que tu t'occupes. Prends une ferme, fais de la peinture, n'importe quoi. Seulement, Ken, épargne-moi ces disputes. Tu crois que si je quitte la marine, ça ira mieux? Sans doute. Et tu as peut-être raison. Autrement, l'amiral ne t'aurait pas soutenu. Où vas-tu? À mon bureau. Je vais démissionner de la marine. Voilà. Le commencement, le milieu et la fin d'une carrière retracée dans une lettre déposée sur le bureau de l'amiral. Objet, démission d'un officier de la marine. Tout y est, sauf le dernier garde-adieu au Tiger Shark. Et c'est ainsi que les événements se sont succédés jusqu'à ce jour. Oh, mais où est la réponse? Combien de fois me suis-je demandé, où est la réponse? Pourquoi ne pas dire un adieu définitif à ce vieux bateau? Je ne suis pas marié avec lui. Et cette plaque que la veuve de Joss désirait léguer au Tiger Shark attend toujours qu'on la remette à sa place. Alors remets-la et va-t'en. C'est vous qui allez diriger la porte. Toucher 2 bateaux, ça nous en fera 20. Dégagez le pont! Dégagez le pont! Vous pouvez stopper la plongée! Vous pouvez stopper la plongée! On dirait qu'on nous prend en chasse, commandant. Arrêtez à faire surface! Thank you.
guerre est finie pour eux depuis une heure. Là, tu fais tes adieux à ton bateau. J'ai une foule de choses à faire. Téléphoner aux déménageurs, retenir les places. À quoi bon tout cela? Ce n'est pas en fuyant qu'on chasse les souvenirs. Redonne-moi ce papier, Ken. J'y ai inscrit le numéro du déménageur. Il faut qu'on vienne débarrasser tout. Écoute, Carole, peut-être faut-il encore réfléchir. Nous avons pesé le pour et le contre. Tu ne crois pas trouver le bonheur à Portland, mais... nous le trouverons encore moins en restant ici. Ce n'est pas vrai. J'espérais te convaincre. Mais je perds mon temps. Je n'arrive pas à lire, c'est tout froissé. Tu peux lire l'adresse? Les chiffres sont mal faits. Ça doit être 18. Bonjour, Mike. Bonjour, commandant. Entrez, Ken. Excusez-moi, amiral, je ne savais pas que vous étiez là. J'ai laissé une lettre pour vous ce matin. S'il en est encore temps, j'aimerais la reprendre. Et cela vaut mieux, car elle n'aurait pas eu de suite. Tout est changé depuis ma recommandation pour l'affaire de Portland. Disons plutôt depuis ce matin, c'est d'ailleurs pourquoi je suis venu. Nous venons d'apprendre que les Nord-Coréens ont franchi le 38e parallèle. Cela nous concerne? Cela vous concerne, vous. J'ai parlé de vous au bureau. Vos ordres vont arriver. Quels sont ces ordres? Vous prendrez le commandement du Tiger Shark. Vous devrez prendre la mer le 5 juillet. Commandant, faut-il débrancher la ligne téléphonique avec le quai? Allez-y. Vous pouvez débrancher le téléphone du quai. Compris. Eh bien, nous y voici. Je ne pense pas que Carole vienne. Que dirait-elle à son mari? Des banalités, des choses insignifiantes. Les jeunes d'équipage, embarquez! Au revoir, Harry. Au revoir, chérie. Et bon courage. Toi aussi. Les jeunes d'équipage, embarquez! Porte ta médaille et pense à moi. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu ne veux pas embrasser André? Tu l'embrasseras pour moi. Je ne veux pas le réveiller. Tout le monde au poste d'appareillage! Embraquez la passerelle! Tirez la 1, tirez la 3, tirez la 4, gardez la 2. Bâbord avant doucement, bâbord arrière doucement. Bâbord arrière doucement. Terminé pour la barre. Terminé pour la barre. Embraquez 2. Deux bords arrière lents. Deux bords arrière lents. Attention devant.
partant sûrement pour un long voyage. Des milliers de milles. Et des milliers de milles. Pourquoi ? Service de protection, dit le livre de bord. Et le mien annonce pluie, neige et brume. Et rien de plus que de flotter comme un radeau en caoutchouc. Si vous préfériez être dans l'infanterie, il fallait pas vous engager dans la marine. Ne poussons pas les choses à l'extrême. Parce que nous, au moins, on flotte sur quelque chose. C'est 6 millions de dollars qu'a coûté ce bâtiment. Avec chauffage, lumière, radio, air climatisé, poste assuré par les destroyers et la meilleure cuisine du monde. Il y a qu'une chose qui cloche sur ce bateau. Quoi donc ? Je vous souhaite de ne jamais le savoir. Ça fraîchit. Le vent a changé. Mes pieds commencent à se geler. Barton va monter vous relever dans quelques minutes. A-t-on déjà trié le courrier ? Pas encore. Avec une pareille température, on se croit vraiment à Noël. Le Père Noël n'a jamais dû descendre par un périscope. Permission de monter sur le pont ? Accordé. Excusez-moi, Harry. J'ai voulu écouter les nouvelles de Hung Nam. Qu'est-ce qu'on dit ? Bon, tout se passe très bien. La tête de pont tient toujours, on embarque le matériel et les hommes aussi vite que possible. Combien a-t-il d'hommes ? Oh, ils sont plus de 20 000. Quel est le cap ? Je vous verrai en bas. Nous sommes au cap 355, allure normale. Moteurs principaux 1 et 2 en route. Bâtiment paré à plonger. Tout est en ordre. Très bien. Gore. Commandant. Les lettres qui viennent du destroyer sont-elles triées ? Oui, commandant. J'ai déjà distribué les autres. Merci. Celle-là, par exemple, elle est bien bonne. Suzy sait servir d'un porte-plume. Oui. Montez sur le pont, commandant. Montez. Je crois que ça va barder. Tiger Shark, rendez-vous à Concorde. 070019, Zebra descendre. Latitude 3950, longitude nord 12203 est, pour instruction mission spéciale. Je m'en doutais. C'est juste au-dessus de la tête de pont. On signale, commandant, paré à rallier Concorde. D'accord. Soyez le bienvenu, commandant. Merci. Le commandant Maurice vous montrera le chemin. Bonjour, Ken.
Comment êtes-vous ici? C'est très simple. Je ne voulais plus servir sur mer. Et de plus, j'ai pensé que vous seriez bien seul par là. Venez. Quel est le dernier bulletin de chez nous? Calme plat. Vous n'êtes pas trop fâché? Fâché de quoi? Quoi? Dois-je vous apprendre qu'elle ne travaille plus? Elle ne vous a pas écrit? Quelques mots de politesse comme à un étranger. Vous ne lisez donc pas entre les lignes? Elle pouvait masquer un message. Un message? Dites-moi donc, vous devez savoir pourquoi elle ne travaille plus. C'est elle qui peut vous le dire. Je m'adresse à vous. Là, vous exagérez. Vous êtes tout de même mieux placé que moi pour me donner des nouvelles de votre épouse. Messieurs? Oui. L'amiral vous attend. D'ici Noël, nous espérons achever l'évacuation de la baie de Hugnam. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Mais là, à près de 30 milles de la côte, il y a un camp de prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y a 200 Américains, dont le colonel Garson Walsh et sa police de renseignement. Le colonel et ses hommes possèdent, a-t-on dit, des informations qui peuvent avoir un intérêt inestimable pour l'avenir. Quelle sorte d'informations, amiral? J'en ignore les détails, mais elles sont très importantes. Les ordres sont de délivrer les hommes. Les parachutistes venant de Tokyo doivent coopérer à l'action. Pendant ce temps, les destroyers anglais effectueront des raids de diversion le long des côtes. Maintenant, voici votre rôle dans l'opération. Une mission de reconnaissance photographique par le commandant Maurice aura pour objet d'indiquer aux troupes parachutées la seule voie praticable en direction de Koyosan. Mais il y a deux grands obstacles. Ici, à Pointe Nokomo, l'ennemi a installé une station de radar. Et là, à Koyosan, il y a un central téléphonique. Ces deux installations doivent être détruites avant que nos avions paraissent. Là, vous intervenez, commandant. Cette nuit, vous débarquez vos hommes sur ces deux points. Quand ils vous signaleront que leur mission est réussie, vous m'enverrez ce radio, tout va bien. Vous recevrez de plus amples détails du commandant Maurice. Le commandant Maurice? Il part avec vous. Actuellement, toute l'affaire dépend de nous. À moins que les Rouges soient complètement surpris, ils massacreront leurs prisonniers. Et pour les surprendre, il faut couper leur communication. C'est notre rôle. Le major Kim de l'armée sud-coréenne, le lieutenant Barton et moi-même avons pour objectif la station du radar. Ils débarqueront du canot pneumatique à Pointe Nokomo. Une fois à terre, ils se dissimuleront pendant à peu près une heure. Entre-temps, le Tiger Shark s'approchera de la côte dans la direction du port, ici. Ensuite, les deux hommes grenouilles se glisseront de l'autre côté. Vous nagerez un bon moment. Le port est miné, nous ne pouvons y entrer. Bien, commandant. Exactement à 4h30, chaque équipe procédera à la destruction de ses objectifs. Dès que ce sera terminé, faites-moi un signal. J'informerai l'amiral. Pas de questions? Commandant, nous avons repéré Point Nokoma, position 295. C'est parfait. Soyez prêts dans 15 minutes. Parez! Descendez-le! Allez-y doucement! Glissez-le contre le bord! Barton, vous êtes paré? Oui. Allons-y. Mettez la barre à gauche, 20 en avant toutes. Barre à gauche, 20 en avant toutes. 17 000 en une heure. Il faudra pousser un peu plus. Venez en route au 175. Venez en route au 175. Est libre. Restez là. Je vais faire une reconnaissance. Je connais la région. Très bien, Major. Allez-y. Vous deux, vous disposez de 30 minutes pour nager jusqu'au mont et faire sauter le central téléphonique. Plus qu'il ne faut, commandant.
C'est préférable, car dès que la station de radar aura été détruite, le moindre retard de votre part compromettrait l'opération. C'est tout. Commandant, le chef mécanicien demande la permission d'arrêter le moteur tribord. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur chauffe. Quel temps lui faut-il? Il ne peut le dire, au moins une demi-heure. Harry, faites rendre au moteur bâbord tout ce qu'il peut donner. Poussez à fond si c'est nécessaire. Aidez à la réparation, il faut que ça marche. Bien, commandant. Ça va? Oui. La station de radar est à un quart de mille d'ici. Deux sentinelles patrouillent en faisant un large circuit. Un autre homme est posté près de la cabane. On se glisse entre les deux et... On s'empare du troisième. On tue le troisième, commandant. Sans bruit. Je mettrai son uniforme. Quand la charge sera placée, je couvrirai moi-même votre retraite. Bien. Il faudra vous ouvrir dès que le détonateur sera en place. Nous allumerons le cordon à la seconde prévue. Je le sais bien. Alors allons-y. Vitesse. 14 nœuds et demi. On approche. Quelle est la distance? L'entrée du port est à 6000. On irait aussi vite en traînant l'ancre. C'est ici. Croyez-vous l'atteindre? Oui. Même un phoque ne le pourrait pas. On le peut, vers l'intérieur du port. Vous n'allez pas y entrer? Je sais que l'opération est risquée, mais cette fois les chances sont égales. Un bateau pour sauver 200 hommes, je n'hésite pas. Dégagez le pont! Longez! Longez! J'espère que le copain s'en tirera bien. N'ayez crainte, quand ça sautera, il sera déjà loin. Passez-moi l'antenne. Voilà. Radio, écoutez par 15 degrés de chaque bord. C'est miné par ici. Compris, commandant. Où allons-nous, capitaine? Croisez devant le port. Faites monter les deux passagers. Batterie arrière, envoyez les deux passagers dans le kiosque. Écho droit devant, 200 mètres, se rapproche. À droite, toute, avant, demi. À droite, toute, avant, demi. Bruit toujours proche, je crois que c'est l'entrée du port. Chapelle de mine. Bas à gauche, toute. Baissez le périscope. À gauche, toute. Thank you.
Qu'est-ce que c'est que ce livre? La Bible. La Ça porte bonheur. Barre à zéro. Barre à zéro. Venez au 225. Venez au 225. Remontez pour lâcher les hommes grenouilles. C'est périscope. 11 mètres. 10 mètres. Le kiosque à fleur de la surface. Paré à ouvrir le panneau inférieur. Pression équilibrée. Ouvrez le panneau inférieur. Allez-y. Bonne chance. Commandant, le radio a reçu un message du commandant Maurice. La station de radar est détruite. Panneau refermé, commandant. Descendez à 20 mètres. Enterrons nos affaires ici. Viens. Attention. Ne tirez pas. Vous arrivez à point. Heureux de vous revoir. Ça a marché, comme c'était prévu. Passez-moi l'émetteur. Et maintenant, nous rejoindrons les parachutistes si tout va bien. Êtes-vous prêt, Major? Prêt. Venez partout d'ici. Pas de signal, amiral? Non, rien. Je vais prévenir les parachutistes pour qu'ils s'en aillent. Patientons encore quelques minutes. Pas de signal encore. Le signal. Baissez le périscope. On va faire surface. Vous savez qu'ils ont des batteries côtières derrière le port. Pas d'autre moyen pour signaler. Tout va bien au porte-avions. Poste radio. Aussitôt que l'antenne sera sortie hors de l'eau, contactez l'état-major et signalez tout va bien. Surface. Message du sous-marin Tiger Shark signale mission accomplie. Faites partir immédiatement les avions. Bien, amiral. Plus loin, 400. Alors,
enfonce par l'arrière. Abandonnez le navire, exécutez ordre de sabordage. Oui. On dirait les parachutistes. C'est de l'exactitude. Et voici les avions. Ça va nous permettre d'atteindre la plage. Ces gars-là ont l'air d'avoir été nourris avec des briques. En effet. Tous vos hommes sont au complet, commandant? Tous, excepté 4 et le groupe de débarquement, en tout 7. Nous, il nous en manque 14. Mais nous avons pu heureusement sauver les 200 prisonniers. Et les hommes du service de renseignement de Walsh? Ils sont là. Ils ont fait du bon travail. Commandant, regardez qui arrive. Hé! Hey! Je vous l'avais bien dit que nous nous reverrions. Vous tenez parole, hein? Je suis ravi de retrouver votre sourire. Vous avez dû avoir chaud. Ah, c'était rien. Nous avions un héros avec nous. Et le voilà. Je vous fais mon compliment, Major. Qu'est devenu le Tiger Shark? Il a sombré, Paul. On a eu des petits embêtements. Des petits embêtements? Traverser un champ de mine immergé, lâcher des hommes grenouilles à quelques centaines de brasses de l'ennemi, et faire surface devant le port et ouvrir le feu sur toutes les batteries côtières avant de sombrer? Et vous appelez ça des petits embêtements? Vous ne voyez pas que ces hommes meurent de faim? Ah, j'oubliais. Venez avec moi. Dites donc, vous semblez jouir d'une popularité unanime. Oui. Excepté une voix. Deux voix. Que voulez-vous dire? J'avais promis à votre femme de ne rien dire pour la seule raison qu'elle savait combien vous étiez tourmenté par l'attitude de voyer, par le service et tout le reste. Mais à présent, je peux parler. Votre femme vient d'avoir un bébé. Oui, oui, vous êtes un heureux papa. Venez, je meurs de faim. Il a sombré non loin de là. Triste fin pour un si beau navire. Non, ce n'est pas triste. Nous devons en être fiers, Boyer. Il est en bonne compagnie. Parmi ceux que l'on n'oubliera jamais. Non, ce n'est pas une triste fin. Alors, je vais te baptiser USS Tiger Shark. Laissez-moi passer avec le moutard. Nous voulons voir, nous aussi. Il s'en va, mon petit. Dis au revoir.